Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons faire encore une petite carte. Je vais vous poser une petite carte. Donc vous allez prendre une feuille de dessin. Donc j'ai pris un peu la couleur que vous voulez. J'ai pris les dimensions, elle fait 28 sur 18, 28 sur 18 et nous allons porter des points. Donc nous allons porter un point à 7, nous allons partager la longueur en partie de 7. Donc un point ici, nous allons mettre 7, 7, 7 et 7. 7, 7 et 7 et nous allons plier. Alors nous allons joindre les deux points. Les points, ça vous fait 4 parties de 7 cm. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons porter un point du bord de la feuille. On va mettre un point 1 cm. Et sur le premier pli, nous allons porter un point de 1 cm et nous allons tracer un trait jusqu'au point. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, 1 cm à partir du bord, plus 1 cm à partir de la première pliure, et vous allez tirer un trait. Ensuite, avec votre ciseau, vous allez découper cette première partie. Donc, on enlève 1 cm ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On enlève 1 cm. Ça vous donne ça. Voilà, vous enlevez un petit 1 cm sur la première pliure et un petit 1 cm sur l'autre pliure. Voilà, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons porter un point du bord de la pliure du milieu. On va porter un point à 7 cm. Une fois que vous avez porté le point à 7 cm, nous allons tracer une diagonale du point de 7 cm du milieu au point du premier en haut, voilà, ici, à là, voilà, donc 7 cm du milieu, et vous rejoignez le point ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous allons faire la même chose. Ça vous donne, voilà, ça vous donne deux petits triangles, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre nos ciseaux cranteurs. Donc si vous avez des ciseaux cranteurs ou si vous n'avez pas des ciseaux cranteurs, vous pouvez faire avec un die, hein. Donc vous pouvez faire mettre un die et découper. Il faut faire une petite fantaisie ici, hein. Donc je vais prendre des ciseaux cranteurs, ça ira plus vite. Donc je choisis un petit peu ce que je veux comme petite vague, et là je vais découper, voilà, je trace un trait pour que ça soit un peu droit, voilà, mon petit centimètre là, qui reste, là on l'a enlevé, là on l'a enlevé, et là on l'enlève en faisant avec le ciseau cranteur, ça fait plus joli, ça vous donne ça, ça vous donne un joli petit... un petit relief ici. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire une pliure. Nous allons plier nos deux diagonales, parce que chaque fois je me trompe, je dis perpendiculaire, c'est tellement le soir que... Donc c'est une diagonale. Donc vous allez faire la pliure là. Donc là vous faites bien de votre pliure là à là. Hein. Voilà, donc la pliure, c'est là. Vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur. Ça nous arrive, hein. Je me demande qu'est-ce que j'avais dans la tête. Donc, vous faites bien votre diagonale de la pliure, hein. Donc, hop, de la pliure à là. Hein. Je me demande pourquoi je l'ai fait ici, j'en sais rien. Et là, c'est pareil. Donc, quand j'ai découpé, ça a un petit peu bougé. Donc, vous faites déjà votre...
votre point fantaisie avant de faire la diagonale, parce que ça bouge. Donc c'est bien, voilà, du point de qu'on a fait à, je recommence, je vérifie, de 7 cm à là, donc vous faites bien ici, hein, donc là, je fais ma pliure, hein, et là, je fais la deuxième qui va jusqu'au bord. Donc, si vous avez un petit décalage quand vous avez fait votre fantaisie, vous réglez bien. Ça doit être vraiment du bord au bord de la pliure. Alors, pour l'habillage de la carte, j'ai pris ce modèle de petits points, hein. Donc, pour les deux surfaces des côtés, là, donc j'ai mis, c'était, je crois, 7 sur 17, hein, j'avais fait, oui, sur 17. Donc là, j'ai mis 6,5 sur 16,5 pour j'enlevais un demi-centimètre et j'en ai fait deux. Voilà, pour les deux extrémités, voilà les mesures. Et pour ceux du milieu là, qui est un petit peu voilà en biais ici coupé, j'ai pris. Vous prenez bien les mètres devant, hein, vous découpez pas à l'arrière. Donc j'ai pris 16,5, c'est bien ça. Hein, j'ai pris 16,5. J'ai mis un point à 11. Donc je vais le faire avec vous, celui-là. Donc j'en ai fait déjà un qui est là, donc c'est le premier, voilà, j'ai fait celui-là déjà, donc je vais faire le deuxième. Donc j'ai pris mon papier de 6,5 sur 16,5, je mets bien comme ça, donc le point est de ce côté, vous mettez bien, vous faites attention de ne pas faire le triangle à l'envers, hein. Donc vous le placez comme ça, et là la découpe doit être ici. Donc ici je mets 11 cm, je prends un crayon à papier, je mets 11, voilà, un point 11, et je rejoins le point 11 à l'extrémité de mon rectangle. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, je tire un trait, et là, je fais... Je range ça et je fais une découpe avec mon ciseau. Je découpe mon petit triangle et nous avons, voilà, nos côtés avec nos petits triangles sur le haut. Oh, oh, on va y arriver, voilà, et là. Donc, une fois que nous avons fait notre habillage, nous allons ancrer et les coller. Donc, je vais les ancrer avec du violet. Vous ancrez un peu avec ce que vous voulez. Donc, moi, je vais l'ancrer en violet. Je trouve que ça rapporte. Voilà. On va un petit peu tous les ancrer. Comme ça, on n'aura plus qu'à les coller. Vous n'oubliez pas de gommer le surplus de que vous avez tracé, hein. Donc je vais prendre ma gomme qui est, je l'ai mis où, ma gomme ici, voilà, et je vais enlever quand même les traces de mon tracé, hein. Vous ne laissez pas parce que ça fait pas joli. L'autre côté pareil, voilà, vous enlevez quand même le tracé et vous continuez à ancrer votre figure. Là, celle-ci est ancrée, il manque celle-là. On va ancrer celle-ci aussi. Je ferme ma petite encre et là, je vais coller mes figures. Je vais les coller sur ma carte. Donc je vais commencer par la première là.
vous la mets sur le côté. Vous mettez bien le liseré aussi. Je descends un petit peu. Je vais mettre la deuxième extrémité au bout de ma carte. La deuxième. Je vais mettre celle du côté. La première ici. Je vais mettre la deuxième. Ça vous donne ça. Et maintenant, je vais mettre mes deux petits triangles. Alors, attendez. Comment je fais? Et c'est pas évident de trouver. Donc, le premier est comme ça. Voilà. Vous laissez bien la petite fantaisie sur le haut. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on met quand même un petit liseré pour laisser la petite fantaisie, pour qu'on voit la petite fantaisie. Voilà, ça vous donne ça. Ce que ça vous donne. Je vais un petit peu monter ma caméra pour que vous la voyez bien parce qu'elle est en longueur. Maintenant, il nous reste à la décorer. Je prépare les décorations et je vous reprends ensuite. Alors, pour les décorations de la carte, donc j'ai pris toujours dans le bloc action. Hein, j'ai travaillé avec ce bloc, je l'aime beaucoup, donc je continue avec celui-là. Donc, j'ai pris un petit peu les fleurs. Hein, donc, je les ai photocopiées, celles-ci. Hein. J'ai photocopié celle-ci de fleurs qui me plaisait beaucoup, donc... Elle est où? Je la regarde où elle est. Je la vois pas. Elle est là. Donc, j'ai pris celle-ci. J'espère que vous la voyez. Donc, je l'ai photocopiée et je l'ai mis sur du papier à dessin. J'ai pris celle-ci aussi, qui me plaisait beaucoup. Donc, elle est quelque part ici. Ah, elle est dans l'autre. Donc, elle est dans l'autre bloc. Donc, avec du papier à dessin. J'ai pris aussi... J'ai pris aussi cette planche-là. Je vais vous montrer là. J'ai pris cette planche-là et j'ai fait, voilà, celle-ci. Je vais la poser pour que vous voyez un peu si vous voulez reproduire la même. Donc, j'ai photocopié cette étiquette ici. Voilà, celle-ci, que j'ai coupée en deux. Je l'ai coupée en deux, je vous dirai ce que je vais en faire. Donc, j'ai photocopié cette étiquette-ci. Voilà, celle-ci. Donc, j'ai travaillé aussi avec un chemin de table, hein, violet, dans les mêmes tons. Donc, je vais pour faire un petit quadrillage, donc pour obtenir ce petit quadrillage. Donc, pour ce petit quadrillage, j'ai collé mon petit... j'ai mis d'abord de la colle sur une chute de papier violet. Hein. Je colle mon quadrillage dessus. Parce que si vous découpez directement dans le quadrillage, ça ne va pas. Hein. Donc, ça s'effiloche et ça se déchire complètement. La machine le déchire. C'est pour ça que je le mets sur un papier à dessin. Ensuite, je le pose sur la machine. Je pose le die dessus et je le passe sous la machine. Et j'obtiens, voilà, un petit quadrillage comme ça. Voilà ce que vous obtenez. Donc, on obtient deux petits quadrillages dont j'ai laissé quelques-uns. Vous voyez, j'en ai enlevé quelques-uns et j'en ai laissé quelques-uns dessus pour faire un peu plus joli. Hein. Vous voyez, celui-là, il s'est enlevé et j'en laisse un petit peu. Donc, j'en ai fait deux.
J'ai découpé aussi, toujours dans les dailles, hein, vous regardez un peu tous vos dailles, j'ai découpé un petit nœud, j'ai découpé un petit love, donc j'en mettrai deux, un de chaque côté, voilà. Et voilà, donc là, on va commencer déjà. Et j'ai découpé aussi, excusez-moi, j'ai photocopié toujours dans le même bloc ces petites fleurs parce que je vais en découper quelques-unes pour en mettre sur ma carte. Donc avec tout ça, nous allons commencer. Donc je vais enlever tout ça. Voilà, je vais mettre ça de côté et je vais commencer à monter les décorations de la carte. Donc j'avais pris cette étiquette qui était en deux, vous vous souvenez, hein. Donc moi je l'ai déjà découpée en deux, donc elle était comme ça, c'était une étiquette comme ça avec des fleurs. Moi je l'ai découpée en deux et je vais la mettre sur le dessus de ma carte. Je voulais la mettre au dessus comme ça pour faire joli. Donc vous voyez, je vais la mettre ici, vous voyez, sur le dessus. Donc je vais déjà découper, alors qu'il y en a un peu trop, hein. Je vais la ranger qu'elle passe bien au dessus de ma carte. Donc je regarde un petit peu. J'enlève le surplus, hein. Donc je vais enlever un petit peu le surplus ici. C'est à vous de voir et de régler un petit peu votre... Alors, je mets de la colle, voilà, sur voilà, mon bas d'image, hein, d'illustration, et je vais la placer ici, comme ça, vous voyez, que ça forme une jolie petite dentelle. Je vous montre ça. Ça vous donne ça. Alors attendez, là elle est pliée, je la relève, ça vous donne ça. Je fais l'autre côté de la même façon avec, vous la collez bien, hein, voilà. Je fais l'autre côté de la même façon, hein. Donc j'enlève le surplus de ma carte. C'est à vous à regarder qu'elle donne, voilà, qu'elle fasse un petit peu jolie, hein. Donc là, c'est un peu trop. J'en enlève un peu. Je mets tout ça à la poubelle parce que sinon, je vais en avoir plein mon bureau. Voilà, déjà, ça commence. Je mets de la colle sur le bas. Et ça fait une petite entête sur le haut de la carte. C'est à vous, voilà, à votre imagination, à décorer votre carte. Moi, je vous donne des astuces si vous voulez un peu reproduire la main. Je la mets correctement comme ça, un petit peu, je la pousse ici, je regarde ma fermeture si elle se ferme bien, vous voyez, il faut bien faire attention que votre fermeture se ferme, hein, et s'ouvre ici, hein, votre, donc on va remettre la carte ici, je ne vais pas gêner, je regarde si ça ferme bien, oui, donc ici il y a un peu trop de papier, donc je la règle. Ou mon chemin de table qui s'en va. Voilà, j'arrange ma carte pour pas qu'elle soit sur le système, hein, que ça passe bien. Donc ici elle est un peu sur le système, je la découpe en conséquence. Ici je pense qu'elle n'est pas sur le système, je vous la montre, voilà, et le système se referme et s'ouvre à volonté. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes quadrillages. Donc mes quadrillages, je voulais en mettre un de chaque côté. Donc je les dispose un petit peu pour voir ce que ça donne. Je voulais mettre une composition de fleurs de chaque côté. Donc j'avais dit celle-ci ici. Je regarde un peu comment je peux la mettre. Et surtout qu'elle n'abîme pas le système, hein. Donc il vaut mieux qu'elle sorte de ce côté, mais pas ici, parce que ça plie la carte et il faut absolument que le système soit bien dégagé. L'autre côté, je fais pareil. Donc l'autre côté, mon image est à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème. Donc ça me donne ça. Donc je regarde un peu. Donc je vais la mettre en hauteur. Je préfère, ça fait plus joli. Donc celle-ci, je vais la mettre en haut. Celle-ci, avant de placer celle-ci, je vais déjà placer mon quadrillage. Donc je vais mettre de la colle un petit peu sur mon quadrillage. Faites attention, j'en mets un peu sur la carte aussi, hein, parce que le quadrillage, il est assez difficile à mettre.
Voilà. Je colle mon quadrillage. Je regarde. C'est très bien. La fleur montera sur le dessus, un peu comme ça. En haut du quadrillage. Je pense que ça fera joli. C'est bon. Donc, je mets l'autre quadrillage de l'autre côté. Je mets de la colle sur ma carte, parce que pour coller le quadrillage, c'est pas évident. Là, j'ai un bout de mon quadrillage qui s'en va. Je colle mon petit quadrillage. Je prends du papier. Ce sera plus vite que mon chiffon, parce que chaque fois, je ne sais pas où je le mets. Et là, je pourrais placer mon image avec du 3D. Donc là, c'est parfait. Donc je vais prendre mon 3D que je vais mettre sur ma carte. Là, je vais la mettre ici. Là, surtout que ne pas empiéter, comme je me répète chaque fois, sur faut pas empiéter sur la pliure, hein, qu'elle se plie bien. Je mets aussi de l'autre côté du 3D aussi, hein. Donc, je vais en mettre, je fais attention que mon 3D ne dépasse pas. J'en mets sur le bas ici. Et je mets en hauteur ici. Et là, je vais découper. Enlever mes petites pellicules de mon scotch pour pouvoir coller mon illustration. Et là, je vais la mettre comme ça. Ça vous donne, voilà, ça vous donne déjà ça, un petit aperçu de la carte. Maintenant, je vais mettre le nœud au milieu. Donc, je vais le coller sur le milieu. Et je vais faire attention à ma petite fermeture. Donc vous le mettez bien ici, hein. Vous ne le mettez pas sur le dessus parce que ça se, voilà, vous le mettez comme ça ici pour qu'on puisse, voilà, faire la fermeture. Donc on va le plier un petit peu, notre petit nœud, voilà. Il sera plié comme ça et là je vais le recoller parce que je n'avais pas mis la pliure. Là on va le coller correctement. On va le mettre sur la pliure. Là, je vais essayer, vous voyez ici, vous collez bien votre petit nœud comme ça. Il faut bien qu'il soit collé. Donc, je remets de la colle. Et il faut, voilà ce que ça donne. Il faut bien qu'il soit collé quand on fait le mouvement, que ça soit bien collé. Voilà pour le petit nœud. Maintenant, nous allons mettre... Nous allons décorer cette partie. Donc pour cette partie, j'ai collé mon papier, j'ai mis une chute, hein, j'ai pas mis du blanc, c'est les chutes que vous avez. Et je vais découper des petites fleurs là de ce papier, hein, qui est toujours dans le bloc, pour pouvoir décorer encore ma carte. Donc je fais les découpes et je vous reprends ensuite. Donc j'ai fait les découpes, hein. J'ai découpé ces petites fleurs qui me plaisaient beaucoup. Donc j'en ai découpé 4 que je vais mettre. Donc je les ai découpées, je les ai collées sur du papier. Je vais les ancrer avec
du violet, hein, toujours je reste dans le même ton de violet, donc je les encre. Après la décoration, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, la quatrième. J'arrange un peu ma caméra parce que je ne vous vois pas bien. J'ai fait des petits papillons aussi, hein, des petits papillons un petit peu violets, hein, que j'ai fait pareil. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien quand je fais mes cartes un peu, voilà, faire un petit peu des recherches sur Pinterest et puis je prends un peu ce que je veux. Donc là, je les ai préparés. Je vais maintenant les coller. Donc je vais déjà coller mes deux papillons que je vais mettre en 3D. Ce sera plus joli pour eux. Je vais en mettre un de chaque côté. Donc je vais prendre le premier là, qui est tout ouvert. Je vais le mettre sur ce côté-là. Je ne sais pas où j'ai mis... Voilà. Parce que j'ai plein de choses sur mon bureau. Hein. J'essaye un petit peu de pas trop travailler en fouillis, mais c'est pas évident quand on travaille comme ça. Donc voilà, je vais la placer ici, le papillon, et l'autre, je vais le mettre ici. Un de chaque côté. Alors, petit problème avec le scotch. Je vais le mettre ici, dessus. Ça vous donne un petit aperçu des deux petits papillons, là. Ensuite, je vais mettre déjà coller mes deux petits loves sur le côté avant de faire mes deux pages. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu dessus. C'est pas, voilà, si j'ouvrais la colle, ça serait beaucoup mieux. J'en mets un de cette façon. J'essaye un peu de le mettre correctement. Et je vais mettre l'autre qui est là, de l'autre côté. Vous pouvez aussi le décorer de fleurs. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Et love de ce côté. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, je vais décorer mes petites fleurs. Donc là, je vais les coller carrément. Hein. Je ne les mets pas en 3D. Je vais les coller parce que j'aurais bien voulu qu'elles se collent. Je vais essayer d'en placer une comme ça. Je vais en mettre une plus bas. Voilà, de l'autre côté, je regarde un peu comment je vais les mettre. Je vais en mettre un autre ici. Enfin, une autre. Les fautes d'orthographe, je vous dis pas le soir. Et une ici. Mais je pense que les gens qui me suivent me connaissent un peu, hein. J'ai toujours un petit langage folklorique. Ça vous donne ça. Ensuite, je voulais faire une petite inscription entre les fleurs. Je ne sais pas si ça ferait joli. Je vais faire un petit essai sur un petit papier déjà pour voir ce que ça donne. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris un tampon... dans cette planche-ci hein, de Action sur le jardinage, j'ai trouvé une inscription spéciale des superbes journées hein, ou spéciale journée. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je veux faire peut-être une petite inscription avec du violet. Donc, je vais ici. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça remplit un peu la carte. Donc, nous allons faire ça. Hein. Nous allons en mettre
spéciale journée, hein, ça veut dire, je le mets à l'endroit de préférence. Voilà. Oui, ça fait pas mal. Je vais en mettre un ici. Hein? Je vais en mettre un sur le côté, ici. Une ici. Oh, attention. Et une sur le bord ici. Ça fera travailler un petit peu nos tampons. Là, ce que ça donne. Bon, je pense que je regarde un petit peu la carte. Hein, ce que ça donne, c'est pas mal. Mais bon. Quand on retourne ma carte, comme j'ai mis ces petites décorations, ça fait pas très joli. Hein. Donc vous, si vous voulez faire les décorations, vous pouvez les rentrer à l'intérieur de votre habillage. Mais si vous faites comme moi, il va falloir que vous fassiez un fond. Donc j'ai fait un fond blanc. Donc j'ai découpé, la carte était de 28 sur 17, donc j'ai fait 28,5 sur, j'ai mis un fond de 28,5 sur 17,5 pour avoir une petite liseraie, et je vais faire un fond, donc, pour que ma carte soit très jolie à l'arrière. Je vais coller mon fond. Surtout ici, voilà, qu'on voit les hein. Je colle bien mon fond, je le centre bien et je referai les pliages ensuite. Donc je centre bien ma carte, je ne fasse pas de bêtises. Voilà, ça fera encore plus joli. Voilà, il fallait absolument que je fasse un fond de l'autre côté parce que j'avais mes deux petites photos là. Ça aurait été pas très joli après. Donc ensuite, je refais. Vous attendez un peu que ça sèche et vous refaites votre pliage. Hein. Vous êtes obligé de refaire vos pliages. Donc je replie ma carte. Voilà. Je refais ici aussi, voilà, la troisième. Et vous mettez un papier pour le fond de carte, un papier assez fin. Hein. Vous ne mettez pas un papier épais parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour le pliage. Ici, c'est pareil. Donc, je vais plier aussi ici. Hein. Voilà. Et plier aussi de l'autre côté. Donc on a plié d'un côté et de l'autre côté, voilà, pour bien que ça s'articule, hein, pour bien qu'elle s'articule la carte. Là, je vais vous la montrer un petit peu en hauteur parce qu'on ne voit pas bien. Donc je vais un peu me lever et monter la caméra. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une carte qui s'articule comme ça. Pour les personnes qui aiment que la carte soit assez simple, donc on l'arrête là. Et pour celles qui l'aiment un peu plus sophistiquée, donc nous allons continuer avec des petites perles. Donc pour les petites perles, donc je vais quand même vous montrer aussi qu'on peut aussi mettre des perles. Donc je vais prendre les perles de chez Action, donc les petites blanches. Je vais essayer de garnir ma carte pour celles qui aiment que la carte soit un peu plus, on va dire, un peu plus chargé, plus sophistiqué. On emploie un peu le mot qu'on veut. Donc là, je vais en mettre une ici. Une ici.
Je vais garnir les petites fleurs, les centres de fleurs de perles. Hein. Le cœur des perles, on va mettre des petites perles. Donc j'en mets un de chaque sur les petites perles. Et je vais placer des demi-perles sur chaque petite fleur. Voilà. Non, je dis plus voilà. On la recommence. Hein, il me manque deux ici. Une là et une là. Ça donne une autre tournure à la carte. Hein. Donc je le fais à la fin parce que je voulais la montrer simplement. Et puis je veux la montrer aussi avec des perles. Ici, on va mettre une petite... Non, ici, ça va être assez chargé. On va mettre de l'autre côté des petites perles aussi. Hein. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Je vais en mettre une ici. Une là. Je vais en mettre sur le bas ici. Et puis, vous pouvez mettre une étiquette aussi à qui elle est adressée. Donc là, je vous laisse libre choix de mettre vos étiquettes que vous voulez. Parce que moi, je ne les écris pas avant, parce que je me répète chaque fois sur mes cartes. Je les destine à la fin, je ne sais pas à qui, quand l'occasion se prête que je dois faire un cadeau. Moi, je ne les envoie pas. On me dit souvent, je peux faire les enveloppes. Hein. Ça m'arrive de faire des enveloppes quand je fais un envoi. Mais sinon, elles sont dans les paquets cadeaux. Donc, je les pose dans les paquets cadeaux. Voilà ce que ça vous donne hein, si vous mettez des petites perles pour votre carte. Voilà, c'est une autre façon de présenter la carte. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je regarde un petit peu. On va arrêter là. Je pense que c'est une autre façon de présenter un petit peu cette petite création. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel. Au revoir.